Alors, ce qui m'a intéressée dans cette université d'hiver, donc, c'est que moi, je travaille sur les montagnes marocaines et sur des projets de développement touristique qui s'y déroulent et sur la façon dont ils recomposent les identités, notamment les identités berbères, amazighes. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir des points de vue différents, notamment des points de vue des Alpes, des Pyrénées, d'autres régions de montagne dans le monde. Et du coup, je voyais dans cette université d'hiver un moyen d'avoir cette ouverture sur d'autres endroits et pourquoi pas sur des thématiques qui sont complémentaires aux miennes ou bien qui traitent aussi de mes thématiques, mais dans d'autres terrains. Le LAVEX en général, ouais, ça paraît très compliqué et bon, voilà. Du coup, ça m'a permis aussi de saisir un petit peu mieux, même pour ce qui est de l'université du Mirail, hein, ce qu'était un LAVEX et comment ça fonctionnait et les dynamiques très intéressantes que ça pouvait apporter. Je m'appelle Patricia Benezèche, je suis doctorante à l'Université de Savoie et je réalise une thèse en droit de l'urbanisme, droit de l'environnement en zone montagne. Et je travaille avec plusieurs partenaires dont le LABEX ITEM, le CAUE de la Savoie, le cluster montagne et également un bureau d'études, le MDP Consulting. C'est la raison pour laquelle l'approche du LABEX m'intéresse particulièrement parce qu'il s'agit donc d'une démarche de chercheur, une démarche intellectuellement, mais également une démarche pluridisciplinaire. Il n'y a pas encore à Turin, et c'est vraiment un grand problème, un laboratoire où les différentes disciplines peuvent travailler ensemble sur le thème de la montagne. Mais vraiment, on peut vraiment avoir en vous un exemple excellent pour vraiment améliorer notre recherche. Cette université d'hiver poursuivait trois objectifs. Le premier, d'accompagner et de soutenir la jeune recherche réunie à cette occasion autour d'un même objet, celui de la montagne. Le second, permettre à ces jeunes chercheurs de confronter leurs travaux de recherche devant un public composé de disciplines différentes. Je veux parler d'historiens, de géographes, de juristes, d'ethnologues, d'économistes du territoire. Bref, toute la pluralité de la recherche en sciences humaines et sociales. Enfin, le troisième, favoriser les échanges avec les acteurs des politiques publiques en charge de la montagne. Je veux parler de la DATAR, des conseils généraux et éventuellement des parcs. Ces trois jours passés à interroger les territoires de montagne, tant sur les massifs français que sur les massifs étrangers, ont permis d'impulser une dynamique intellectuelle prometteuse et source d'innovation et de coopération. Cette initiative a donc vocation à être reconduite, car c'est la mission du Laboratoire d'excellence innovation et territoires de montagne de consolider un réseau capable d'appréhender et d'accompagner les territoires de montagne dans leur mutation.